Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture courrier pour notre concours de calendrier de l'Avent. On a trois courriers. Trois participations. Aujourd'hui. Donc on va passer à l'ouverture de la participation numéro 7. Donc on a juste ouvert l'enveloppe. Hein. C'est moi qui l'ouvre. Vas-y, je regarde. On va enlever le papier de l'ouvre. C'est bon. Alors, dedans, il y a une carte blanche. Une enveloppe blanche. Bon, je peux les déchirer. Bah, vas-y. Ouh, c'est super joli. Regardez-moi cette magnifique carte. Donc ça, c'est toutes des chutes de papier. C'est très, très, très joli. Avec un L. Ouais, c'est très beau. Pépelier. Vas-y. Bonjour Roxane, c'est vraiment très gentil de proposer un jeu, surtout pour gagner un calendrier de l'Avent. Pour te remercier, je te... Joins un happy mail. Je suis une nouvelle abonnée. Je ne connais pas trop ton scrap. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Je te souhaite bonne continuation pour ta chaîne et merci pour tes tutos. Amicalement Scrap, Isabelle. Alors déjà la carte. Mais elle est super jolie, j'adore. Puis, alors, effectivement, là, tu tombes sur le bon truc parce que j'adore les fleurs. Voilà. Oui, derrière, je n'ai pas vu. J'ai des boîtes remplies de fleurs par couleur. Oui, voilà, j'ai des étagères spéciales fleurs. Quand les fleurs prima sortent, j'achète toujours les nouvelles. Il y a un paquet là-bas. Hein. Voilà, j'ai pas fini de les ranger d'ailleurs. Et donc là, franchement, cette carte, mais elle est magnifique. Et on dirait un peu les papiers de chez Action qu'on a utilisé pour faire, tu sais, l'album pour la fête des mamies. Alors, ce Happy Mail, alors déjà les couleurs. Et ben, tu sais, c'est comme quand j'en vois quand je fais les anniversaires. Ah oui, oui, oui. Et là, derrière... Bah attends, derrière, il y a un tag écrit « Joli souvenir à immortaliser pour toujours ». Franchement, c'est super joli. Alors, vas-y, ouvre le ruban. Waouh, on dirait qu'on ouvre, tu sais, un magasin avec les rubans et coupe-pip. Alors, il y a une pochette remplie de tamponnage. Alors ça... Oui, bah attends, on regarde après. Alors, on va ouvrir... C'est pas chaud parce que c'est bon, on a tout déchiré. Alors les tamponnages, Léane, elle aime bien. Parce qu'en général, elle les colorie. Et puis quand elle fait un petit truc pour ses poésies ou quoi, ça lui sert toujours. L'appareil photo est super joli. Et ben voilà. Là, une paire de ciseaux. Qu'il faudra couper avec un ciseau. Oh, bien, bien joué. Une mini enveloppe. Ouais. Une carte. Oui, une étiquette. Ça. Il y aura, c'est écrit quoi ? Remettre en lumière l'essentiel. Je sais pas c'est quoi. C'est pour mettre sur quand tu fais tes albums photos et tout ça. Ça c'est encore des étiquettes. Une histoire précieuse et à chérir comme un trésor. En fait, c'est des c'est des tampons que tu mets en dessous de tes photos quand tu fais un album. J'adore cette photo, tu vois ? J'adore cette photo. Ouh ! La Big Shot. Ah, celui-là, il est canon, hein. Comme si tu faisais de la peinture. Les pinceaux avec des fleurs, ouais. Encore une enveloppe avec un gros tag love. Ouais, ça te plaît. Ah, un carnet avec des spirales. Et sur les sentiments, c'est écrit « Redécouvrir la valeur des choses simples » et « Moment inoubliable précieux ». J'adore franchement les tampons, là. Signe extérieur de bonheur. Ces petits détails qui comptent beaucoup. Oh, mais franchement, ça, c'est top. Il y a un petit secret. Ouais. Tu as capturé mon cœur. Capturé mon cœur. Alors, ça, c'est top parce que regarde quand je vais faire l'album avec papa.
Tu vois, c'est un sentiment sympa. Joli moment en famille. Ouais. Et tu peux lire. B comme bonheur. Voilà. Franchement, mais merci du fond du cœur Isabelle, c'est tampon. Hein. Moment, pas prendre le temps, souvenir le de saison. Une journée spéciale à partager ensemble, la douceur de l'instant cadre. Ah, capturer la magie du quotidien, parfum du bonheur. Alors, Poussinette a du mal à lire quand c'est des écritures un petit peu particulières du fait de sa dyslexie, en fait. Hein. Souvenir unique, précieux. Précieux. Alors là, Isabelle, les tampons, mais sont juste top. Alors maintenant, attends, laisse-moi. Tu ouvres. Non, mais ça se déplie. Mais moi, je voulais faire comme ça. Mais oui, mais regarde, il y a encore de la déco. Oh. Ah non, parce que là, dedans, c'était la pochette, vu que tu n'as pas ouvert. Alors là, dedans, c'est tous des petits mots. La vie est belle. Hello. Ouais. Hello. Franchement, merci du fond du cœur. Ça, c'est top. Pour mettre partout, en plus, couleur craft, moi qui adore le vintage. C'est juste génial. Oh, tout plein de découpes, étiquettes, appareils photo. Merci. Mais du fond du cœur. Oh, c'est sympa ça. Une voiture. Une lanterne avec des petites fleurs. C'est super joli. Oh, et encore des cadres. Mais franchement, Isabelle, mais c'est top. Et ce système d'Happy Mail, c'est super joli. Les couleurs sont d'une douceur mais énorme. Enfin, c'est top. Tout est coordonné, tout. Enfin, moi j'aime quand tout est coordonné comme ça. Donc merci. Donc du fond du cœur, merci Isabelle. C'est vraiment très 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 joli. C'est top. Donc merci de suivre ma chaîne, hein, tout simplement de suivre mes tutos. Enfin, nos tutos. Parfois Léane vient, parfois elle ne vient pas. Bah oui, c'est comme tu veux. Bah, voilà, parce que je te mets pas le couteau sous la gorge pour venir. Tu viens. Non, c'est pas vrai, elle raconte des bêtises là. Non, c'est vrai. Menteuse, arrête. C'est pas vrai. Hello, hello. Ah, maintenant j'ai dans la tête. Alors, donc là, du fond du cœur, Isabelle, bah merci. Si, maintenant là. Donc vous êtes la participante numéro 7. 7. Et là, on est avec un XXL colis. Alors là, on a reçu un carton. On ne voit plus. Il est énorme. Alors. Attends, je peux essayer de cliquer. Alors attends. Tu peux expliquer? Oui. Alors c'est Marie-Noël. En fait, elle avait envoyé un message à maman qui lui avait dit j'ai quelques rubans. Tu veux que je te les donne voilà. Parce que je sais pas quoi en faire. Un petit peu. Là-dedans, il y a des rubans. Là-dedans, il y a des rubans. Alors en fait, oui, Marie-Noël m'avait envoyé un mail en me disant je suis une couturière. Je vais lire, il y a beaucoup de choses. Je suis une couturière et j'ai beaucoup de rubans et dentelles. Donc, est-ce que ça t'intéresserait que je t'en envoie et tout ça? Et j'ai dit, oh, bah, c'est gentil. Elle me dit non, c'est aussi pour te remercier pour tes créations et tes tutos. Il y a une page, encore une feuille derrière. Donc, déjà, regardez-moi cette magnifique carte. Attends, je peux regarder. Il y a dedans entier, la suite et... Derrière. Donc déjà la carte sur le thème de la mer, elle est super jolie. C'est écrit merci. C'est écrit merci. Bonjour Roxane, juste une petite carte. Je pense que l'on peut se tutoyer. Alors là Marie-Noël avec moi, il n'y a aucun souci. On peut se tutoyer, même avec tout le monde. Hein. Ça c'est le truc. Pour te remercier de tes superbes tutos et de tes explications qui sont très claires, je voulais faire plaisir à quelqu'un de méritant, car j'ai trop de dentelles et de rubans. Je ne sais pas. Tout utilisé, je fais beaucoup de couture et ma dernière petite fille a 15 ans, alors les tenues, les déguisements, elle n'en veut plus et mes deux petits-fils 10 ans, c'est la même chose. Il faut vivre avec son temps et mes filles ne sont pas manuelles. Donc, alors nous aussi, Poussinette, elle avait des tonnes de déguisements, des tonnes, des valises pleines, un portant plein et puis tous les week-ends, elle était déguisée tout le temps, et puis maintenant c'est fini. Oh, oui, on s'en plie en cracaille.
En recueil, non, t'aimes les suites à capuche. Voilà, il faut aussi vivre avec son temps, les jeans troués. Avec des jeans troués, tout ça, voilà. J'ai un legging. Oui. J'ai été très touchée par ta petite qui est adorable et par ton fils, mais ses enfants sont très attachants. Oui, c'est vrai que les enfants autistes et tout ça sont... Autistes, dystraphiques. Oui, voilà, il y a beaucoup de 10. Oui, ils sont très touchants. C'est très fatigant, c'est très épuisant, mais... Quand tu pleures, ils sont là. Oui, il n'y a pas d'empathie. Tu peux pleurer et tu ne les entends pas. Voilà, mais bon. Mais que les 10, ils sont là. Mais non, mais c'est pas grave, ça, on le sait. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est fatigant, mais en même temps, de l'autre côté, bah, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est la vie. Mais ces enfants sont très attachants. J'espère que ce colis, tu en feras bon usage. Alors, oui, j'aurai certainement encore du tri à faire. Je suis désolée, mais j'ai tout mis dans le même sachet. Tu vas être obligée de trier. Mais le dos faisait souffrir. J'espère que tu vas mieux, Marie-Noël. Ce qui ne te convient pas, tu peux faire profiter autour de toi. Pour moi, c'est ma vision du partage. Alors, moi aussi, c'est ma vision du partage. C'est des fois, quand j'envoie des colis, je fais des cadeaux d'anniversaire ou quoi, je dis toujours, si vous l'avez déjà, envoyez à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Franchement, c'est ça le but du scrap. Partager. Et donc, voilà, comme Christelle, elle m'avait dit pour son anniversaire, j'avais envoyé des dies. Elle m'a dit, oh, mais je les ai déjà, Roxane. Est-ce que tu m'autorises? Je dis, mais... Je te l'ai dit déjà, enfin je l'ai dit oui, dans ma vidéo. Tu as le droit de le donner. Voilà, partage, c'est fait pour ça. Tu donnes. On n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les facilités et tout ça. Et si ça peut faire plaisir à quelqu'un, mais alors là, mais du fond du cœur. On accepte. Pas, c'est, ouais, voilà, c'est parti. Je vous fais des gros bisous, Marie-Noël. Voilà, donc on a énormément. Alors, mais on commence par la petite échelle. Attends, là déjà. Alors là déjà il y a des rubans, mais plein, vert, jaune et blanc, là, en organza. Ah, oui. Donc ça déjà, merci. Ça c'est plus petit que ça. Énorme. Attends, en dessous. Elle a acheté de la fourrure. Voilà, on a de la fausse fourrure. On pourrait faire un casse-noisette blanc. Oh, on a de la fourrure blanche ou un Père Noël. Ah, ça peut être... Oh. Pardon. C'est énorme. Enfin... Moi, la fourrure, je la range. Oui, range la fourrure. Alors... Tiens, commence par ça. Ah, je commence par l'enveloppe. Alors, on a un peu regardé. Alors là, on a de la... Alors, prenez un thé, un café, hein, parce que c'est énorme. Oui. Donc là, on a du ruban rose. J'ai rangé la fourrure. Alors là, il faudra vraiment faire le rangement en ruban. Hein. Il y en a encore là-bas. Du orange. Du marron, du white et du rose. Ouais, c'est pas le même rose, regarde. Oui, c'est du rose plus clair. Ouais. Alors déjà, ils sont sublimes, quoi. Alors, ensuite, on a du ruban noir. Attends, moi, je prends tout dans la main. Ouais, mais regarde, tu mets... Et une, encore du noir. Alors, c'est bien parce que du ruban noir, j'en avais pas des tonnes. J'ai du bleu. Du bleu. Du kaki. Ouais. Du marron. Du bleu clair. Et du white. Et du noir. Oh, c'est déjà, mais franchement, Marie-Noël, mais. T'as pas idée comme ça me touche. C'est énorme. Attends. Pour montrer ça. Comment non, mais. Énorme. Énorme. On va pouvoir faire des magnifiques. De la dentelle. Ah et ouais. De tout. Alors là, regardez cette dentelle pour mettre sur une tranche d'album. Je sais pas du tout. C'est juste top. Par contre, ça va monter, monter, monter. Là, il y a de la dentelle Bordeaux. Alors, je vais pas ouvrir de tous les sachets parce que sinon... T'en auras partout. Ah, regarde, en fait, c'est son système de rangement. Elle met un modèle au-dessus et puis dedans, tu vois. Donc là, on a de la dentelle noire et blanche. En fait, elle le met comme ça. Elle ouais, voit la dentelle. Elle voit, voilà. Alors là, on a de la dentelle rose. C'est superbe, franchement. Oh, regarde. C'est celui-là mon préféré, je le prends. Attends, doucement. Il est trop grand. Alors là, on a du ruban avec des petits oiseaux. Alors là, c'est top, hein. Il est magnifique. Moi, hein. J'adore cette dentelle. Je sais pas, je la trouve trop belle. C'est ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, alors celui-là, je le vois vraiment bien sur une tranche d'album. Ouais. Mais regardez, elle a mis des tonnes de ça. Là, moi, on a... Je t'enchouera pour faire des trucs. Tu vas m'en prendre pour faire des trucs, d'accord. Donc là, on a de la dentelle en organza verte. Pas du ruban.
en organza vert. Là, on a de la dentelle un peu rose. Saumon, ouais. Un peu saumon. Comme ça. Non, vous voyez pas trop saumon, ça fait rose. Ouais. Mais c'est rose saumon. Donc là, encore du ruban organza rouge. Comment tu le dis, organza? Organza. Alors celui-là, regarde. Ah, celui-là dans mes albums de Noël, il va être juste top. Il y a du bleu. On a du bleu. On a de la dentelle beige. Je crois qu'on va, Oups. Là, on a un mètre. Ah ouais, c'est sympa ça. Tiens, avec la machine à coudre. Lui, il va jusqu'à... Oui, on sait combien de mètres il fait. Parce que regarde, ça fait de 1 jusqu'à tout le mètre. Mais non, il repart après. Mais pourquoi? Tu m'as donné le seum. Là, regardez aussi cette magnifique dentelle. Ça s'arrête à 100. À 1 mètre. T'as 1 mètre. C'est ma taille. Oh la vache, la dentelle là, elle est superbe. Wow. Du non, rose. Ma dentelle préférée, c'est... Oh. Ouh, du white. Celle-là. Je crois pour un album fétiche. Ah ouais, franchement, là, il y a vraiment de quoi faire avec des sequins. C'est superbe. Je sais pas c'est quoi, mais la dentelle argentée. Alors là, on a de nouveau de l'organza un peu beige. C'est du rose foncé un peu. Oh la vache, elles sont magnifiques. Oh, alors là, la couleur de ton rouge à lèvres. Ouais, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, on n'est pas mis, hein, mais... Là, je crois que tu peux faire une robe. Maman, tu peux faire une robe avec ça. Regardez. Non, mais attends, vous voyez pas l'épaisseur. Et on en sait au moins jusqu'à 10 mètres. Mais je crois que ça, tu peux faire une robe. Tu fais une jupe. Comme une polonaise. Non, tahitienne. Ouais. C'est énorme, Marie-Noël. C'est... Pleure. Mais non, mais je sais pas, je pourrais jamais vous remercier au point de, enfin, c'est, j'ai pas les mots. Il y en a encore. Hein. Donc là, celle-là aussi, elle est magnifique. Oh, maman. Elle est trop belle. Ça fait Tahiti, les gens avec les jupes comme c'est ça. C'est super joli. Donc là, de nouveau avec des sequins. On a cette dentelle. Je sais pas c'est quoi, mais... Une autre dentelle. Ah, bah regarde, il y a une autre dentelle comme ça. Alors celui-là, j'adore. Ah, Kao Vichy. C'est pas de la dentelle, ça. Oh, c'est des petits nœuds, mais ils sont super. Avec un diamant. Ouais, regardez ici, c'est tout plein de petits nœuds. Et avec un strass au milieu. De la dentelle white. Attends, je vais déjà sortir la dentelle grise. Là, on a du jaune et du vert. Oh là là. Ça, c'est plein de nœuds. Alors là, c'est un petit sachet, enfin un énorme sachet rempli de petits nœuds. Maman. C'est. Ah, bah là, c'est du ruban pompon. Encore de la magnifique dentelle. C'est énorme. Il y a celle-là, les belles. Elles sont magnifiques, tes dentelles, Marie-Noël. C'est... Oh, comme toi, t'as Noël dans ton nom. Mon deuxième prénom, c'est Noël. C'est magnifique, c'est énorme, c'est... T'as du noir, t'as de la... Ah, c'est plein de boue. Oh, c'est plein de... T'as plein de petits... Non, je ne vois pas. Il y a plein de... On dirait des fantômes. Et pour Halloween, ça peut être sympa. On dirait des fantômes. T'as plein de petits crèmes. Là, il y a encore plein de petits bouts de dentelle gris, bordeaux. Là, il y a encore du noir. Je crois là, t'es au taquet, le noir. Mais c'est bien parce que c'est pas les couleurs que j'achète. T'as du white. Donc là, on a encore de la dentelle blanche. Oh, maman. Oh là là, c'est magnifique ça. Mais tu me dis ça qu'elle fasse sa main.
Non, je pense qu'elle a coupé, mais c'est magnifique. Si elle fait ça avec ses mains, c'est une championne. Moi, je ne vais même pas faire un bout de pantalon. Là, il y en a encore de différentes couleurs. Là, il y a du rouge. Tiens, là, ça, c'est encore ce que tu as montré en noir. Oh, elle est toute fine, regarde. Elle est super jolie. Elle est toute fine. Tac, tac, tac. Elle est belle aussi, en grise. Pour un peu faire robot, je sais pas. Oh, ouh là là, c'est quoi? Elle est trop belle. Et des chiffres. C'est fou, c'est... On aurait dû le faire en dernier, je t'avais dit. Je fais dans l'ordre que j'ai reçu. Là, c'est rouge et un peu... Il y a des fleurs comme dans la Belle et la Bête. C'est ça. De la dentelle rose et grise. On arrive à la fin. Je veux le violet. Ça fait, on dirait, blanc-rose à la caméra, mais c'est du beau violet un peu... ça fait violet... Comment on dit? Celle-là aussi. Regarde, c'est des fleurs. C'est violet, comment on dit la couleur violet comme ça? Lila. Parce que Lou, elle a un même pull en photo, ça fait blanc, mais c'est un peu lila. C'est juste super. Encore un fil lila. En fait, là, c'est toutes des découpes de... Encore des fantômes. De dentelle. Vous avez... vous allez me dire, ça ressemble pas à un fantôme, ça? Non, j'avais trois fantômes. Ça. Et puis là, c'est les mêmes... les mêmes qu'on a déjà montré. Oui, ils sont tellement petits qu'on les perd. Alors Marie-Noël, là vous voyez pas, mais il y en a de partout. C'est là, ici. Je sais pas comment te remercier tellement que c'est énorme. Faut pas craquer, faut pas craquer. Je sais que le monde du scrap c'est un monde magique, mais alors là, c'est... ça me touche, mais... Oh non, non, de pleurer. Non, beaucoup. Non. C'est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour... Ça arrive à là, donc en fait, la fin de la caméra. Imaginez-vous, là, la caméra, en dessous de la caméra, il y a tout le gros teint. Donc un énorme merci pour ta gentillesse. C'est juste énorme. Ma dentelle préférée, c'est quand même elle. Mais c'est ma préférée. Bah oui, t'as le droit de dire que c'est ta préférée. Donc, tu es la participante numéro 8. On te remercie, mais du fond du cœur, ça... Maintenant, il faut tout remettre. Maintenant, il faut tout ranger. Alors, Léane, quand elle a vu le carton, je dois dire un truc. Elle, donc on était choqués et tout ça, voilà. Et elle m'a dit, oh là là, mais en fait t'en as pour toute ta vie. Et je crois même que j'en aurai en héritage. Et que mes arrière-petits-enfants, ils auront en héritage. Voilà. Et ses arrière-petits-enfants, ils auront en héritage. C'est juste top, mais c'est... Dis-toi ça là, c'est donc elle va être en héritage. En héritage. En héritage des Dalbourg. Donc voilà, donc Marie-Noël, mais franchement, merci. C'est juste top, c'est juste magnifique. Merci de m'avoir assommé avec le carton. Ah pardon, j'ai pas fait exprès. C'est franchement, j'ai pas de mots pour dire à quel point ce monde du scrap est vraiment un monde merveilleux. Attends, je crois qu'on a perdu l'angle. Non, elle est là. Et franchement, donc du fond du cœur, merci. Ça me touche, mais bah voilà, j'ai pleuré. Voilà, j'ai... L'émotion, elle était... Ah, il faut faire comme ta jumelle. Pleure dans une vidéo, comme ça, je réunis les demi-vidéos et je fais MDR. Arrête de te moquer. Et je te signale que quand Aurore, elle t'a envoyé le calendrier de l'avant, t'as pleuré. Alors, fais pas ta maline. Hein. Mais oui, mais t'as pas filmé que moi, ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai désestré. Donc, j'ai juste à prendre une vidéo de sa vidéo, une de tes vidéos. Merci. Je fais ensemble et je fais MDR. Ouais, MDR. Donc, voilà. Donc, merci. Je vais l'utiliser, mais sur mes couvertures d'albums. Sur des pages d'albums, sur des Happy Mail. Moi, j'en collerai dedans. Et puis, j'en donnerai un petit peu quand je fais des échanges avec mes copines de scrap. Hein, parce que bon, il y a des dentelles. Non, je donnerai pas celui que tu préfères. Mais c'est vrai que là, les dentelles, elles sont magnifiques. Moi qui aime travailler le vintage et tout ça, là, je suis mais... Là, t'as du violet, en aux anges. Les couleurs. Et puis ce... Alors, le ruban de Noël, là. Ou le mettre.
Oui, le maître, mais le maître, il faut avoir un album thème couture. Ou faire une machine à coudre. Voilà. Mais celui-là. Ah, quand tu couds, un maître. Bah oui. Donc voilà, donc Marie-Noël. Merci. Merci du fond du cœur pour toutes ces magnifiques dentelles, ces magnifiques rubans. J'espère que ton dos va mieux. En tout cas, j'ai pas les mots tellement que c'est énorme, c'est énorme. Donc Marie-Noël, on te fait d'énormes gros bisous. Et puis, on te dit à bientôt. Bisous. Alors ensuite, on a la participation numéro 9. Alors là, il y a un smiley. Ça fait rire Léane, tiens, d'ailleurs, sur l'enveloppe. Elle me dit donc, ça veut dire que c'est pour moi. Ah, c'est pas écrit Léane. Oui, mais il y a un smiley avec une licorne qui fait un bisou. Ouais. Elle a pas rajouté une licorne. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture. Oh, oh là là. Donc déjà... Il y a des bonbons, donc forcément Léane, elle est fin heureuse. Hein. Mais les bonbons, c'est la vie. Donc, deux paquets de bonbons. Ça part dans les fesses. Ça part dans les fesses. Oh, c'est des mini coca. Là, quand tu me dis des riquiqui coca, je comprends. Hein. Alors là, on a une superbe carte travaillée avec les encres et tout sur le thème des vacances. Montre. Avec des tamponnages, des tongs, des coquillages, des... Ça fait penser à ta poésie, hein? Ah oui, parce que c'est la mer, ma poésie. Alors, ouh, à l'intérieur, donc là, il y a son petit mot, hein? C'est une ATC. Donc là, en fait, à l'intérieur, on a un bateau et une pochette où dedans, il y a une ATC. Alors, ATC. Bah, sur l'ATC, donc, il y a un petit chat. Des puzzles. Là, il y a des puzzles. Un papillon. Et en fait, c'est tout du washi. C'est super joli. Une enveloppe. Alors, c'est l'ATC jeu éphémère. Ah, alors, c'est de la part de Odile qui habite à Biganos. Alors, Biganos, quand nous étions partis en vacances à Arcachon, on avait été visiter il y a quelques années de ça. Il y a 3 ans. Non, il y a plus. 4 ans. Toi, tu étais petite. Hein. J'avais 2 ans ou 3. Non, 3 ans, on était à Saint-Cyprien. Et je crois que, ouais, quand Poussinette avait 4-5 ans, on est allé en vacances à Arès. Il y avait, c'était il y a 5. Voilà, et donc en fait, on avait été visiter Biganos. C'était il y a 5 ans. Voilà. Sur Facebook, c'est Dilou Créa, Odile et ses pinceaux. Le scrap, c'est ma vie en couleur. Zoubi scrap. Eh ben, cette ATC, elle est superbe, Odile. Elle hein. est magnifique. Allez, Anne, elle adore. Elle adore, surtout là, il y a plein de choses, c'est coloré, c'est tout. Donc, c'était rangé comme ceci dedans. Alors, coucou, c'est avec plaisir que je t'envoie ma petite participation. J'espère que ça te plaira. C'est magnifique, franchement. J'espère que ça te plaira. Je suis assez récente sur ta chaîne et je trouve que tu fais de très belles choses. Merci du fond du cœur. Mais je fais le casse-noisette. Mais il est beau, mon casse-noisette. Tu l'as décapité. Ah oui, j'ai perdu la tête d'un casse-noisette. J'ai juste à le recoller. Hein. Tu l'as fait tomber, tu l'as décapité. Alors, moi, j'ai 52 ans. J'ai un fils Mathieu de 22 ans. J'habite dans le sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine, proche du bassin d'Arcachon. Voilà. Je me suis mise au scrap pour combler mes journées ne travaillant plus à cause de mes problèmes de santé et aussi très malvoyante. La vision des couleurs altérées, un champ visuel tubulaire qui font beaucoup de soucis au quotidien. J'imagine très, très bien ça. Mais je ne me laisse pas abattre. Super. C'est des tongs. Voilà un peu de moi. J'ai aussi lancé ma chaîne YouTube, Odile M, pour partager et connaître d'autres personnes. Cela me fait beaucoup de bien. Alors, au plaisir de te connaître mieux et j'espère à bientôt. Zoubi scrap à vous deux, Odile. Eh bien, Odile, j'irai voir ta chaîne YouTube. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je vais m'abonner, hein, comme je fais à chaque fois que j'ai des abonnés qui me disent « Bah voilà, j'ai une chaîne YouTube. » Eh bien, merci du fond du cœur. Au revoir. Gogouette. N'importe quoi. Donc voilà, moi aussi le scrap ça me permet d'être dans ma bulle et de penser à rien d'autre. Dans ma bulle, qui, ouais, que, quand je l'embête, elle est là. Ouais, voilà, des fois, quand elle me saoule ou quoi. Et là, je m'emballe les steaks. Non, je dis pas ça. Mais dans ta tête, c'est ça. Je m'emballe les steaks. Ah, des fois, oui, des fois, quand Léane elle est là, elle me dit. Et hop, je vais dans ma scrap room, je dis c'est bon.
Toi, tu dois ranger ta chambre. Moi, je vais dans ma scrap room. Et moi, je dis après, bagnard. Non, il faut toujours qu'elle vienne. Donc voilà. Donc du fond du cœur, bah merci Odile. Alors les bonbons, bah évidemment Poussinette, elle va pas me les partager, hein, ça il faut pas rêver. Peut-être un. Ah peut-être un quand même. Donc voilà, la carte est magnifique. L'ATC va aller dans notre rangement à ATC. Hein. Je sais pas où elle est. J'ai acheté des, j'ai pas encore commencé, mais j'ai acheté des pochettes comme pour ranger les cartes Pokémon, pour ranger toutes les ATC en fait que vous. Comme moi j'ai. Oui, que vous m'envoyez. Donc, comme ça, je vais les ranger par thème. Je vais faire des intercalaires quand j'aurai le temps. Comme moi, j'ai quand... T'as reçu des Lodi d'enveloppe. Non, oui. Des pocket letters. Oui. Voilà. Comme avec Anto. Oui, voilà. C'était donc, voilà. Donc, c'est magnifique. Donc, toutes les trois, on vous remercie du fond du cœur. Tout nous touche, tout est magnifique, les tamponnages, les cartes, les dentelles, les rubans. Oui, on a compris, ta dentelle préférée, c'est celle-là. Je crois que là, Marie-Noël, tu as fait une heureuse. Une heureuse. Les bonbons, Léane va se mettre devant Netflix. Je le sais déjà que... Voilà, son après-midi, enfin, son, sa fin de matinée est toute trouvée. Vu que l'après-midi, c'est dessin. Hein. Papa, c'est mon écharpe. Mais non, n'importe quoi. Donc voilà, donc les filles, on vous fait d'énormes gros bisous. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt.